Nous, c'est Marchandises en Haïti. Quel que soit côté information, nous pouvons chercher pour le baou, Jean Lia. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Dépendamment de l'heure, vous pouvez regarder la vidéo ça. Et pas oublier qu'on se met en Pemba qui c'est Marchandises en Haïti. Jeudi, c'est mercredi 9 décembre 2020. Information nous portons pour vous, c'est concernant toute entreprise qui refusait d'afficher prix produit en good et puis qui pas respecté marge bénéficiaire du ministère commerce et industrie exigé à des grosses sanctions qu'a pris contre eux. Nous avons cité parole Jonas Kofi, ministre commerce dans le cadre d'une conférence pour la presse mercredi 9 décembre 2021. Passer l'ordre pour dire à l'entrepreneur afficher prix produit dans la monnaie nationale dans une façon visible et puis compréhensive. Jonas Kofi qui plus loin rappelé à l'entreprise yo marge bénéficiaire pas doit dépasser 15% menacé sanctionné si la qui choisit passer décision si la yo en papier n'en fait yo payer 30% dans revenu annuel yo Jean décret 30 novembre 2020 qui publié dans le journal Moniteur a déjà précisé ça. Numéro 1 ministère commerce qui croit décret si là c'est un outil qui peut faciliter l'état gourmet contre toute infraction dans champ la diriger à éviter consommateur porter plainte soit à travers un numéro WhatsApp bien pour communiquer ou bien sous site ministère. Jonas Kofi pour plus d'explications dans micro à devant caméra Marchandises en Haïti. Dans le cadre de démarche gouvernement république là t'es initié nous connaissons à travers le ministère commerce et industrie et de façon à ce que pour combattre l'inflation et du coup améliorer le pouvoir d'achat et donc conditions de vie consommateurs. Et simultanément, en synergie avec d'autres instances concernées dans l'État, le gouvernement, à travers le ministère du commerce, a arrêté une série de mesures. Mesures, ça y est, nous connaissons l'application, nous avons contribué à certains nombre de résultats palpables en termes de baisse sur le marché des prix des produits de première nécessité et d'affichage plus automatique des prix en goudes, la monnaie nationale. Étant donné que le ministère du Commerce et Industrie prend toutes dispositions nécessaires pour protéger consommateurs, investisseurs et renforcer l'économie nationale. Pour protéger la population haïtienne contre la hausse inconsidérée des prix, le gouvernement haïtien prend en deux temps certaines dispositions. Nous connaissons, même gens avec moi, arrêté 19 septembre 2018, là, l'État prend des mesures pour faire libeller et afficher tout prix, bien servicio, sur tout territoire national là. Dans la monnaie nationale là qui c'est good. Et décision ça il était appliqué mais nous capable dit résultat yo révélé insuffisant en raison de l'absence de mesures contraignantes pour nous faire respecter les règles sur l'affichage des prix du paiement en goudes et la part des marges bénéficiaires, le gouvernement lui prend un décret en date du 25 novembre 2020 que nous gagnons copia dans mes nous et qui publié dans le journal officiel Moniteur
numéro 41, lundi 30 novembre 2020. Décret ça, il visait l'obligation pour y afficher tout produit bien ak servis yo en good et yo doué visible, compréhensible et prix qui affiché yo doué prix que le wal nan kès wal payé et c'est lui même que ou payé parce que gen pile consommateur qui paraît non centre d'achat, non centre de vente, non supermarché. Et puis où est produit a li gagné yon étiquette li affiché non montant et leur rivé sous caisse là son l'autre montant yo faut payer. Nous dit texte de loi ça li résoudre question ça. 12 articles et il gagne 5 sections là-dedans. Section sa yo, nous qui sa yo, nous gagnons section 1 qui traite disposition générale yo, et section 2 travers 4 sections, 4 articles, pardon, yo traite affichage, prix, paiement des biens et services en monnaie nationale, l'usage des devises dans les transactions interbancaires, le commerce et les transactions internationales. Et aussi la plainte des consommateurs auprès du ministère du Commerce. Section 3, les visées marges bénéficiaires sous produits de grande consommation. L'en parler de produits de grande consommation, nous connaissons, c'est du riz, maïs moulu, harangue, œufs, l'huile comestible, sucre, poun, dit l'autre bien de grande consommation, nous capables de prendre. Matériaux de construction, yo, ciment, fer, etc. pour citer ça seulement. Et section 4 là, li vise les sanctions. Les sanctions à travers 3 articles. Article 8 à 10. Et la section 5 concerne les dispositions finales à travers 2 articles, articles 11 et 12. C'est ça, décret ça a gagné la donne et nous capables dit tout travail qui te qu'on a fait yo et gagne pile plein qui fait pas de vraiment yon outil légal. Nous renforcer ça que te gagné yo mais nous te manqué jodi a n'a gardé texte et tout consommateur d'une façon ou d'une autre qui victime quelconque eh ben yo gagné pour devoir porter plainte dans ministère commerce. Et nous pourrons gagner des numéros WhatsApp côté que yo capable voyer message identifier et y a traité dossier ça yo sur les champs et sous site ministère commerce là pourrons gagner un formulaire côté que ou ka monter sous site là et ou rempli formulaire ça côté que ou victime ou bay adresse entreprise ça nan ki ça ou victime nan et ministère lui-même l'a fait ça la loi
mandé pour le faire. En gros, je suis capable de dire, c'est l'ensemble de ça, décret à gagner la donne, moi à disposition nous pour des réponses, pour des questions. Parti qui a une fixation des marges bénéficiaires à 15% prix revient produit première nécessité de grande consommation. Mais comment est appliqué 15%? Écoutez, l'État, à travers la douane, les gens ont commandé les marchandises, mais c'est dans la douane pour le passer. Eh bien, à travers documents, vous pouvez regarder prix Fobio, prix Sifio, et une équipe technique ici, hein, et Capchita, et qui va déterminer qui pourcentage sous marge bénéficiaire, prix de revient produit, qui n'est pas capable de dépasser 15%. Après, l'entreprise a fait toute dépense, payroll, électricité, etc. Eh bien, calcul là, les prêts fait ou pas qu'à dépasser 15% sous marge bénéficiaire. Pour gain pour faire, j'en sais qu'on fait, ou acheter un produit pour 5 gouttes, ou aller au vendre pour 100 gouttes, ou faire 99 gouttes sous lit. Eh bien, cette fois-ci, nous dit, balle la fini, il n'y a pas de jouer encore. Alors, écoutez, yon consommateur qui victime de yon entreprise quelconque, eh bien, li gen yon formulaire la rempli, tout donné yon an formulaire, et li même l'a dit, mais qui ça li victime, est-ce que c'est yon prix exorbitant, yon sa yon spéculation? Ou bien est-ce que c'est une question de produits périmés? La mentionné et ça li marqué dans feuille là côté pour moun nan checker voilà mais de qui ça les victimes. Il y a pas besoin gagner ça relo et hésitation. OK? Ça l'a prêté nan donné ministère commerce. Et le ministère du commerce lui-même l'a bien doléance là même et li pral voyer équipe inspecteur sous les lieux pour voir exactement si ça qui dit a c'est ça parce que nous pas prendre crété ou débarquer comme ça mais nous gain service d'intelligence pas nous tout nous gain doit arriver dans entreprise que ça moun nan victime nan et puis moi même voyer moun a l'acheter même bagaille là pour le cas victime de même bagaille là le ça juge de paix m'a prétendu dehors la police m'a prétendu là pour faire ça la loi m'a de vous faire. Il y a une autre question normalement au ministre Michel Xavier Wizon 2000 normalement qui sanction yo est-ce que nous avons amende nous t'a fixé 2 3 4 ans de prison d'emprisonnement s'il vous plaît pour monde professeur. Bon, j'aimerais ça dire tout à l'heure à travers Texas, vous pouvez regarder pour voir amende comment et qui est section qui traite amende et c'est la loi qui peut agir et le ça où il y a des gros bagages là côté où monde te violé la loi yo garde par exemple sous intervention que tu connais fait yo gien des monde qui te connait et interpellé par la justice les arrivé devant parquet yo payé 100,000 gourdes et puis yo libéré mais garder dans décret ça ou regarder pour voir c'est pas la même chose ou regarder c'est pas la même chose. OK, là gien des ou sanctions et moun sa yo ka payer amende et si yo récidivé yo ka même tripler les amende. Là nous même la presse nous croit que à travers document ça nous gen nan men nou jodi a
et nous pral font travail tout de façon à ce que pour population consommateur qui victime yo cette fois-ci les yo mande recours et pour la justice rendre avec eux.